Coucou tout le monde, me revoilà avec la suite du junk. Donc comme je vous disais en fin de dernière vidéo, je vais fermer les pochettes et voir quels petits assemblages je peux faire avec des embellissements, etc. Donc je vous mets tout ça en accéléré et voilà, je vous souhaite un bon visionnage.
Coucou! Alors, hier, quand je filmais la vidéo, j'ai été coupée par plus de batterie. Ça arrive. Donc, je voulais vous montrer ce que j'avais fait de plus, du coup, hors caméra. Comme ça fait un petit bilan de là où j'en suis. Donc, j'ai arrondi toujours les bords extérieurs intercalaires, de mes papiers imprimés en tout cas. Et globalement, j'ai doublé les arrières. Donc là, j'ai oublié. Il faudrait que je le fasse. Donc, je vous montre rapidement. Ici, donc j'ai arrondi et j'ai mis une doublure. Là, j'ai toujours mon tag à l'intérieur où je mettrai une photo. Faudra que je décore tous les papiers vieillis au café. Toujours le tag, vous m'avez vu le faire, celui-là. Donc j'ai arrondi. Là, j'ai arrondi et j'ai rajouté un verso, pardon. Là, il faudra que je fasse, que je colle la mise en page. Je ferai sûrement des silhouettes encore avec ça, ou des tamponnages avec celui-là, pour donner un peu de profondeur. Dedans, j'ai papier coloré. Ici, j'ai toute l'enveloppe à faire. À voir ce que je vais mettre ici aussi. Il faudra que je fasse un grand tag ou plusieurs petits. Donc ici j'ai arrondi et j'ai mis un verso. Là pareil, arrondi verso, arrondi les Père Noël. J'ai pas fait les versos des Père Noël parce que je pense que je vais en utiliser un pour la couverture. Donc ça serait bête de coller un papier derrière si après je le colle sur la couverture. Mais comme je sais pas encore lequel je vais utiliser, je les laisse comme ça pour l'instant. Donc là j'ai mis un verso et j'ai arrondi. Arrondi. Là, j'ai oublié de faire le verso parce qu'encore pareil, je sais pas ce que je vais faire, est-ce que je vais le coller ou pas, est-ce que je vais y mettre des dentelles, enfin voilà, je sais pas, donc ce que je vais arrondir, je verrai plus tard. Donc celle-là, j'ai pris une étiquette d'un bloc action. C'est celui-là. Globalement, j'ai utilisé que des objets de ce bloc. Donc l'enveloppe, là c'est deux, vous m'avez déjà vu les mettre. Ici j'ai fait des silhouettes pareil avec les morceaux de papier qui me restaient de découpe silhouette. Et derrière j'ai mis un reste de papier qui me restait, c'est le tag du fond. Ça c'est le recto, ça c'est le verso. Et ici j'ai mis un bout de papier qui me restait. Donc je ne sais pas encore si je vais le coller ici ou si je vais voir pour mettre des choses ici, je ne sais pas. Ça vient du bloc action aussi. Ça, vous m'avez vu le faire, j'ai fait avec vous. Donc, petite silhouette, etc. J'ai rajouté ça pour renforcer, parce que comme je vais faire une reliure avec des anneaux, j'ai mis ça pour renforcer. Ça, vous m'avez vu le faire, je l'avais laissé assécher, donc voilà, j'ai laissé libre ici. J'ai collé que les bouts, ça, on pourra peut-être passer des choses à travers. Je peux très bien rajouter des choses comme ça. Et donc là, c'est un passant très large. Vous pouvez mettre des photos ou rajouter des choses. Ici. Donc pareil, j'ai rajouté trois dies. J'ai vieilli un peu les bords. Là, vous m'avez vu faire, j'ai collé des flocons. Ils sont trop mignons, j'adore le rendu. Ça brille et tout. Donc je ne sais pas encore si je vais le coller, si je vais laisser pour mettre quelque chose ici. J'ai aussi mis une dentelle ici, mais j'avais oublié que j'avais ça. Du coup, ça fait peut-être un peu trop. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça se trouve, je vais enlever ça. Je vais le mettre ailleurs. Je sais pas. Je verrai plus tard. Et derrière, donc, vous m'avez vu faire. J'ai mis le petit oiseau ici. Le fin ici. Et là, pour cacher, je vais coller une photo ici. Donc là, pareil, j'ai arrondi et j'ai mis un verso. Là, c'est mon tag. Ah, j'ai pas arrondi ici. Je vais le faire. Voilà. Et là, j'ai arrondi le Père Noël aussi. Du coup, pendant que j'étais hors caméra, puisque j'avais plus de batterie, j'ai découpé tout ce qui était étiquette du bloc action. C'est pas très intéressant à voir à la caméra, donc je me suis permis de faire ça. Et que j'utiliserai pour décorer tout l'album. Donc là, pareil, je mettrai peut-être des tamponnages,
ou coller un autre type de papier, je sais pas, je verrai en avançant. Voilà pour mon état, enfin, là où je me suis arrêtée du junk. Dans la prochaine vidéo, je continue à décorer, je ferai un peu au feeling, pareil, ce sera un accéléré. Et voilà, donc toujours pareil, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, n'hésitez pas à m'écrire, qu'on se fasse un live ou autre, je ne sais pas. Je suis disponible pour toute question, si vous voulez connaître un produit, si j'ai pas bien détaillé, si vous voulez une technique. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et du coup, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Salut !